Bonjour! En cette belle après-midi, comment ça va, les copains? Qui ont soit fini de travailler, soit fini d'étudier, soit qui sont au travail. Et c'est pas bien. on va aller jouer. De toute façon, on n'est pas pressé, on a le temps. Je suis pas pressé. J'ai fini ma journée depuis tout à l'heure, là. Et c'est pour ça que je stream d'ailleurs, parce que j'ai pas de russe aujourd'hui. J'ai un cours qui a sauté, ma prof n'est pas là, du coup je me frotte les mains. Normalement là je suis censé quitter le russe dans 3 minutes. Deux sur 5 le son, de quoi tu parles? Est-ce que t'es en train de noter mes musicaux? Si c'est oui, va écouter l'album, on en reparlera plus tard. Ah c'est bas, oui je sais que c'est bas, c'est normal. J'ai fait exprès. J'ai bien entendu que j'ai fait exprès. Parce que en fait j'ai pas lancé le jeu et du coup faut que je lance et que... tu me stresses pas là. Voilà, et ouais, on se calme. Laisse-moi lancer le jeu tranquillement. Sinon moi je coupe le stream et je vais en cours hein. Même si j'en ai pas, je m'en fous. Et du coup je disais j'ai pas russe aujourd'hui, du coup bah, je peux me permettre de streamer cet après-midi. Ce genre de la semaine je vais pouvoir d'ailleurs. Oui Tezo c'est magnifique, elle était trop à dead. Hop. Laisse-moi faire le son parce que... Oh c'est déjà fait, oh là là qu'est-ce que je suis fort. Est-ce que je suis fort là-bas aussi? Non pas du tout. Fuck. Non mais si, je suis fort, et oui, je suis très fort. Est-ce que j'ai un raccourci? Oh, magnifique, et oui, ça c'est mon mot de passe. Et oui, incraquable, messieurs, inviolable ici. On fait attention. C'est pas mon mot de passe, merde. C'est quoi mon mot de passe? C'est pas celui-là? C'est lequel? Ah, mais non. Voilà, bon, un peu moins long, mais toujours plus inviolable. Ok. Hop. Est-ce que vous êtes prêts à rien faire pendant 3 heures? Parce que moi, oui. Hop. Voilà. Incraquable même par toi. Non, mais c'était le lien du stream, en fait, que j'avais mis. Oui, du coup, c'est pas mon mot de passe, le lien du stream. Logique. C'est Spider qui sera, je pense, toujours étonné par mes propres capacités à retenir mon mot de passe Steam, qui est un code de PS4, enfin de PSN plutôt, un code de... merde. De carte à 20 balles là, PSN, et j'avais besoin d'un mot de passe pour Steam. J'avais la carte à côté de moi, puis j'ai fait « Oh, hé, nouveau mot de passe, c'est parti frérot !» Et je le connais par cœur. Un truc à 10-12 caractères, je crois. Du coup, on va jouer sur mon Rouge Garde, le seul perso intéressant que j'ai, parce que celui-là, bon, c'est premier try, et celui-là, m'en fous. Voilà. Le son m'a l'air ok. Faudra me dire, parce que le son du jeu est pété de ouf, et il fait un peu n'importe quoi quand il en a envie. Donc bon, si j'ai envie de... je vais pouvoir passer une demi-heure à faire de la flûte et du luth. Oh, quel bonheur. Ah ça y est, je vais passer mon après-midi à... J'espère que vous êtes prêts à passer votre après-midi à rien faire et à faire du luth et de la flûte. Parce que moi je suis chaud de ouf hein. Oui voilà, ouais. Attends fais voir les petits trucs gratos que je peux. Non je peux pas. Ça je peux pas non plus. Je peux pas. Je peux pas. Et on s'en fout, ok. Magnifique. Alors le son vite fait, j'ai absolument pas testé. Non je sais pas. Ranger mes armes. Bon, bah, je vais pas ranger mes armes. Yes, génial. Ça commence bien. Bon, fais voir ce que j'ai à faire. Déjà, j'ai 11 messages non lus. Ah, mais c'est plein de matos. Les prix n'ont jamais été aussi bas. Alors, fais voir.
Ah oui, mais quand je disais ça va être tranquille, ça, c'est, je mentais pas, hein. Ça va être extrêmement tranquille. Attends, ça me dérange. Vois, j'ai. Eh, ici. Non mais oh. Moi, il décide. On va faire quelques quêtes et puis, comme je l'ai dit, on va essayer de 100% la map. Du coup, fais voir vite fait avant que je prenne mon courrier là. Et d'où la map? Je suis con. Voilà, ouais, on va essayer de 100% la map. Du coup, je venais d'arriver à fin de retour. Du coup, il y a énormément de trucs à faire. Tu vois, même dans la ville principale, j'ai pas tout fait encore. Et j'ai rien fait ici. Du coup, on va essayer de faire tout ça du mieux que je peux. Les donjons, ça va être la mort de ouf. Les world boss, j'en parle même pas. Je vais me taillader les veines. Et les livres poteaux, je vais en chier du sang. Parce qu'en plus, j'avais mis des mods il y a genre un an, je crois. Oh putain. Aucune vanne, un an, je crois. Sauf que du coup, ils sont obsolètes. Bien entendu qu'ils sont obsolètes. Du coup, bah, je peux pas m'aider. Enfin, du coup, j'ai une carte. Ouais, voilà, j'ai pris une carte. Attends, fais voir juste en image que je la mette un peu en grand. Fin de retour, du coup. Voilà, magnifique. Comme ça, au moins, si je tombe pas dessus et qu'il m'en reste, on aura juste à regarder. Ça, ici. Ok. Faire mon inventaire. Attends, parce qu'il faut que je me remette un petit peu dans le truc. Parce que ça fait lit, ça fait vraiment un an que j'avais pas joué. Je fais voir. Épée d'impact, ok. J'ai quoi? J'ai un bouclier, j'ai un arc. J'ai pas d'apparence. Collier. Ouais. Ok, je sais pas pourquoi je le garde. Je sais pas pourquoi je le garde, ça. Oh, j'ai tellement de bordel. Oh, j'ai du coup. En matériaux. Ah oui, j'avais rien, je mettais tout à la banque. Ce travail va pas se faire tout seul. Ok. C'est des trucs de quête, je m'en fous. Et ça, c'est des trucs qu'il faut que je garde. Ok. Ok. Non, oui, personne n'est connecté parce que plus personne ne joue à ce jeu dans mon entourage. Vraiment, plus personne. Ce jeu n'est joué que par 10 personnes dans le monde. Et je suis la 10e, officiellement. Bon, on fait voir. Tous les bretons trouvent-ils leur présenterie hilarante? L'un d'eux avait une pelote de ficelle qu'il faisait rouler à terre. Persuadé que je me mettrais à courir après comme un chat domestiqué, bien sûr, Oula, j'ai du mal. J'ai volontiers donné quelques coups de patte, mais seulement après l'avoir fait avaler au dibret. Donne-moi mon loot. Okay. Le jeu est cool, mais t'as vraiment pas l'impression d'avancer, je trouve. Maintenant, mais moi, ça me pose pas de problème, parce que justement, je suis 100% le jeu. D'ailleurs, bon, bonjour tout le monde, hein. Je sais même pas si je l'ai dit. Je suis 100% la map, en tout cas, j'essaye. Du coup, ce sentiment de pas avancer, je l'ai pas vraiment, parce que quoi que je fasse, j'avance petit à petit. Ah oui, j'ai vu de la cuisine aussi. J'espère que vous portez bien. J'ai fait l'acquisition d'une mandoline. Trop bien. Et je tente d'en apprendre l'usage. J'ai d'ailleurs écrit ce jour une chanson sur des chats. C'était peut-être une erreur, puisque mon troisième couplet s'est fait écraser par un chariot. La prochaine fois, j'utiliserai du parchemin. Gingembre et du bifolieu, magnifique. Ah, la forge. Ah, c'est bien ça. Ces histoires, elles sont bien. Se faire poursuivre par un mammouth, c'est beaucoup plus facile qu'on le pense. Puisqu'ils ont le même goût prononcé que les nordiques pour les pâtes de fruits à l'hydromel. Je m'étonne qu'on ne se trimballe pas tous une procession de ces bêtes laineuses derrière nous. Bien sûr, un mammouth affamé, c'est la dernière chose que Morella s'imaginait voir ce jour-là. Elle m'a donné quoi? Putain. Oh. Oh. Nice, ok, c'est cool ça. Les prix n'ont jamais été aussi bas. D'accord, j'ai juste ça, ok. Salut, pseudo, ça ou quoi? Poto. Attends, pourquoi j'ai un... Lisez le cercle du jeu. Attends, fais voir les kits que je peux faire. Non, compétence j'ai pas de points à mettre, je crois.
Bon, faut que j'en mette un petit peu dans le jus, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va le faire. Pas de titre. Okay. Ça y est, j'ai fini de passer l'aspirateur, me voilà. Quel bonheur. Au moment où je suis en train d'apprendre, de réapprendre le jeu. Du coup, j'ai fait un Rougegarde Chevalier Dragon, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, je joue avec une petite massue d'armes là, et bouclier, et arc en second. Ouais, attends, je vais juste... Non, je veux pas l'aide. Ah, je crois que ça va ouvrir Google. Juste voir les touches vite fait, en fait, parce que je les ai un peu oubliées. Pour le gameplay. J'achète, je vends, non, mais je veux les touches, moi. Mais je m'en fous, je veux les touches. Faut que je prenne une autre pause. Ah oui, voilà. Ok, ZS, oui, ça c'est classique. Sauter, course auto. Ah, course auto, ok, ça c'est cool. Quoi, LT plus A en esquivé? Hein? Qu'est-ce qui te prend, mec? Mais qu'est-ce qui te prend, le jeu? Ok, H pour la monture. Attaquer, bloquer, sprinter, furtivité, interrompre, synergie, ok, changer d'arme X, ouais, mes compétences, ok, c'est sur CS, classique, R ulti, ok, ah, ça, d'accord, ok, attends, d'accord, ok, oh putain, voilà, ça c'est des mecs, ils sont là depuis le début. Puissance 810, ce malade. Moi je suis niveau 34. Je suis une merde. Hein. Du coup, est-ce que j'ai des trucs à faire? Ça, c'est la quête principale que je ne vais pas faire. Je n'ai pas toujours été mendiant. Prologue. C'est quoi? Un soldat de garde ciel m'a demandé. Attends, mais je peux pas voir les quêtes directement. D'ici. Ouais, j'ai juste fait ça moi et c'est tout. Fallait encore que je fasse ça. Mais ouais, ok, faut libérer la ville, ça j'ai pas de problème. 5 affrontements de champ de bataille. Ah putain, j'aurais dû les finir ça. C'est pas du multi les affrontements de champ de bataille? Attends, fais voir. Garde d'alliance. Non, c'est impérial, de toute façon je l'ai pas. C'est où qu'on voit ça? Ah, j'ai des trucs. Coucou Dwelly, comment ça poteau? Si, ouais, c'est du PVP. Putain, il m'a manqué deux à faire. Ça dure longtemps ou pas le PVP? Ça même plus. Sinon on fait ça en 2-2, hein, on finit ça vite fait. Mais j'aimerais bien... Comment on fait? C'est où qu'on va? C'est où qu'on va pour faire du PVP? c'est pas là? C'est quoi, c'est champ de bataille? C'est ça qui veut que je fais? Ouais, champ de bataille. Hop! Ah, magnifique. C'est long, ouais. Bah alors, tu déterres? Oh, ouais, je déterre, hein. Bon, on va apprendre à jouer en PVP hein, et on ira en PVE après. Mais pourquoi j'ai mis. Ok. Je finirai donc jamais. Putain, mais attends, mais. C'est pour niquer mon. Ok, c'est galère. Enfin, ma monture, c'était quoi? Oh! Oh, c'était un lion. Ouais, c'est parce qu'il n'y avait pas de tigre. C'est parce qu'il n'y avait pas du tout de tigre. Bon, vas-y, on s'est mis en file. Merde, je me suis mis en file d'attente. Raidleborn. J'ai encore un truc à Havre Tempête. Comment ça, j'ai des trucs à Havre Tempête encore? Comment ça? Après, ils sont allés à dans les égouts. Ah ouais, mais ça, c'était trop chiant, putain. Ça je pouvais pas le faire parce que j'étais tout seul. Non, il y a un codex des antiquités. Ah.
sous les secondes après. Allez-y. Oh, Chaos Ball, oh, c'est trop bien. On va faire du foot du futur. Enfin non, du passé du coup. Il y en a qui ont déjà fait du PVP ou pas? Parce que je t'avoue que quand j'ai eu la, c'est que quand j'ai eu la quête que j'en ai fait. Hein. Genre c'était la première fois que j'en faisais quoi. Le PVP standard. Il est plutôt sympa. En tout cas, les trois parties c'était... Coucou Nick Nick. Les trois parties c'était plutôt pas mal, c'était plutôt marrant. Enfin les trois parties, peut-être un peu plus que les trois parties, mais c'était plutôt pas mal, moi je l'ai kiffé. Pardon. Niveau 27, niveau 21, niveau 13. On va se faire détruire. C'est moi le plus haut level et je sais plus comment on joue. C'est magnifique. Ok. D'accord. Okay. Oh man. On peut commencer ? Ok, magnifique. Je crois qu'il faut aller juste dans les camps adverses pour prendre des points. Nous aurons peut-être un adversaire digne de ce nom cette fois. On peut pas prendre son voiture, j'ai oublié. Ok, c'est chez vous les ennemis. Eh hey, ma vie. Oh putain, ça commence bien. Ok, je me suis fait 1v x. Yes, ça commence bien. Ah ouais, ça commence très très bien même. Ah, c'était bien. Ah, c'était très bien. Je me suis pris 4000 de dégâts d'un coup dans la gueule. Mais attends, mais faut juste aller capturer des trucs, mais on peut pas me battre. Mais déjà, faut pas que je mette en VFPS, je crois, pour le multi. Ah, mais je suis obligé. Ah, je suis obligé. Ah, tu peux pas. Ah, si. Ok. Non, mais oui, mais non. Ah, bah ça va. Non, je lui ai piqué le frag. J'ai piqué son frag. Non, non, reculé. Non, il se régène. Mais j'en ai marre de me faire un V5 en permanence. Ah, laissez-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Et merde. Mais elle fait quoi ma team là? Oh, j'ai pris tellement cher. Mais fais quoi ma... On a 0 point là. Ma team n'est pas là, ma team ne fait rien. J'ai une team de bouffons. Ils sont pas dans les duels, ils sont pas en train de prendre les points, ils font quoi? Mais viens là. Mais viens là, mais... Mais viens là. Bon bah mais voilà aussi, putain, mon pote il s'est fait. Mon pote il s'est fait annihiler. La balle est libre. Allez plus vite que le courant. Ouais, c'est dur aussi hein. Eh, c'est dur hein. Eh, je vais la dernière fois c'était plus facile quand même. Mais personne joue l'objectif aussi. Je comprends même plus le. C'est pas juste capturer la zone ennemie. C'était pas ça. Ah, on est tous morts en plus. Ah. Non, mais il est tout seul. Il est tout seul, on est trois. Eh. On va le fumer, non? C'est un CTF, non, tu marques des points en tenant la balle. Bah, trouvez la balle. Nous avons la balle. Ah. Et maintenant, faut courir, frère. Tu faut fuir là. Il y a un mec, il invoque. Je vois rien.
suis bloqué. Je suis bloqué, voilà. Si. Ok, d'accord, ok. Ok, c'est quoi ce squelette Qu'est-ce que vous faites? Nous avons lâché la balle! Est-ce que je vais rassurer ou... Ah mais non, je peux le résurrecter, du coup, j'ai pas envie de dépenser des... Nice. Mais voilà, lui, il a compris le principe. Que quelqu'un prenne la balle! La balle nous appartient à présent. Oui, la balle, je crois. Non, c'est moi qui ai la balle ou quoi? Je sais pas si j'ai la balle ou quoi. Je crois que j'ai pas la balle et je me casse. Ah si, maintenant que je crois que j'ai la balle. La. Ah. Ouh là là. Aïe aïe oui. Ah mon... Putain mais il va me lâcher cet enfoiré. J'ai pas la balle, laisse-moi tranquille. Putain il me suit encore. Hop là. Et merde. Et on est remonté deuxième. J'aurais eu la balle, tu vois, bah on aurait encore gagné des points. Dommage, je voulais le Batman. J'ai rien fait. Que quelqu'un prenne la balle. Mais... J'en ai marre de pas attraper la balle. Oui, puis d'être tout seul aussi, c'est pas ouf ouf. La balle n'est plus en main. Oui, bah oui. Regarde tout ce que je prends aussi là. Putain d'archer de mes couilles. Eh franchement, on est revenu au score. Hein. Mal démarré. Oui, bah oui, mais t'as qu'à pas la prendre aussi, enculé. Ils ont ramassé la balle. Nous nageons en eau trouble. Oui, bah oui, mais tu récupères la balle aussi, frérot. Et Nini, j'ai la balle trois fois. Oui, bah tu la récupères, laisse-la aux autres. La balle nous appartient à présent. Cours. Je t'en supplie, cours. J'ai pris une belle grosse flèche entre les côtes. Il est où là? Il est au-dessus, magnifique. Reste au-dessus. On joue le temps. C'est... Nous avons lâché la balle. Ils ont pris la balle. Bah oui, ils ont pris la balle. Il était où en fait ce con? Il est pas là la balle. Non mais. Aïe 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 aïe. T'es pas tranquille toi, je m'en fous, je veux la balle. Ils ont pas compris qu'il fallait la récupérer la balle en fait, je crois. Ben voilà. La balle est libre. Ils ont pris la balle. Mais... Non mais tu restes ici. Oui non mais enfin c'est pas à moi ça. On apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Merde. Ah non il tombe aussi. Quel gros ferme. Je suis pas un archer putain. Je suis pas archer moi. Viens là. Viens là petit con. Là je suis mort. Ouais non non je... Ouais tu as des gars de chute 19 000. Mais mec, mais je suis tout seul à lui courir après. Chutez aussi leur la balle. Et voilà. Et voilà, yes the bee, j'ai fait tout le travail, tout ça pour me faire piquer. Ah,
je t'en supplie. La balle est oh le bordel. Allez plus vite que le courant. Oh le bordel. Oh, dans quoi je me suis mis là? C'est quoi ce pétrin? C'est... Ouais, non, c'est chaud là. Oh, je me suis mis dans une sauce. Oh, j'ai pas trop tout compris là. Ah, c'est la fête dans ce bois de Jonah, mon gars. Ah, c'était épicé là, hein. I try some spicy shit. Que quelqu'un prenne la balle. Ils ont la balle. Préparez vos haches. Yahoo! J'ai bubi. Wow. Ouais, non, mais bah, au moins j'ai de l'écho. Mais regarde, ils sont où les autres? Yo le bad fuck. Non, on va pas commencer à flemmer les copains. Mec, je me suis pris une serre après l'autre, il s'est déchaîné. J'ai la haine. Ils ont pris la balle. Mais voilà, mais il y en a un, il fait du PVP, il est niveau 13 aussi, il s'attend à quoi à part se faire OS? T'as envie de perdre? Secouez-vous! Ça en va ou ça en va? J'en ai marre de prendre des flèches dans le cul. Hein. Laissez-moi bouger! Aïe aïe aïe! Mec, je me fais stunlock! Oh, c'est... oh la vie de merde! Où sont tous mes copains? Je regarde, où sont tous mes copains? Voilà, évidemment! Nous contrôlons la balle! Ah, allez, c'est bon, c'est la ligne droite, on gagne, frère! Ok, magnifique. Si chose, je meurs. C'est un peu chaud. Non mais... ouais. Le grand remède, les grands moyens... et merde. Non mais fuis, mais reste pas là, toi. Mais me reste pas, va-t'en. En vrai, il y a tellement moyen de bien courir et de pas se faire tuer. C'est juste que... j'ai jamais la... J'ai la balle, on gagne, hein. Honnête opinion. C'est pas parce que je suis une grosse merde et que je suis derrière en plus. Ils ont pris la balle. Ouais, je suis allé un peu dedans. Mais voilà, ils sont tous les verts. Ah, je me suis pris une petite recette, dis donc. Bon, bah au moins j'aurais essayé. Bon, ça, au moins ça m'a appris à utiliser mes sorts. Pas con le mec. Putain. Ah, je suis même pas dernier. Hein. Non, c'était pas beau, c'était pas vraiment beau, non. Ah, mais oui, du coup, je gagne un peu de rang. Auront cette icône affichée à côté de leur nom. D'accord. What? Ok. Ouais. C'est pour me dire qu'il y a des tricheurs. C'est crâne, mais c'est pour te faire plaisir. Ouais, fou. Il y a différentes teintes de plaisir. Clairement, celle-là, je l'ai pas. Tasha, you little baby, go play Fortnite, please. Du coup, j'ai quoi? J'avance lentement, mais sûrement. D'accord.
Oui. Non mais des... Putain des galopins, trop stylé. J'ai ce qu'il vous faut. Oh j'ai une petite flamme rouge. Trop mignon. Ah oui là j'ai le gars. Oh putain faut pas... C'est pas moi il a appelé le singe, d'accord. C'est pas moi. C'est pas moi il a appelé comme ça mon singe. Ok, je veux pas le savoir. J'ai l'impression de... Ok, j'ai le lion. Oh, il y a des loups. Trop stylé le loup de Wemmer. Ah, j'ai des mémentos. Là, j'ai des mémentos. Pour ça aussi que je 100% le jeu, parce que t'as des mémentos. Ah, j'ai quoi? J'ai branché cerisier. Gâteau de jubilé 2018. 2019, dis donc. C'est quoi? Une pierre d'entrave et une plume élémentaire du weird. Nice. Bon, Ah mais j'ai posé un gâteau en fait. Je peux manger? Oh mais oui, je peux manger le gâteau. Oh l'enfant, petit gâteau. Mec, c'est trop bien. C'est être un petit gâteau posé en plein milieu de la ville. Attends, mais fallait pas que je fasse des trucs parce que... Ouais, voilà. Ça c'est les mecs comme moi qui sont en galère. Le gâteau qui date de 2019, hein. Eh, j'en ai un de 2018 si tu veux, hein, délicieux. Mais le truc là, c'est que je crois que j'étais un peu paumé dans mes quêtes. C'est où les quêtes? C'est mon journal de quêtes? Regardez, ne coûte rien. Journal? Ah, mais si, je suis content. Parce que... Mais ça, du coup, ouais, c'était le donjon. Attends, mais je peux pas le faire à distance, le donjon? Enfin, je peux pas le queue à distance? Merde. Ce travail va pas se faire tout seul. J'ai un beau choix à vous proposer. J'achète, je vends, j'échange, c'est ici. Ah putain, je veux... Attends, y'a pas un point de TP? Ah non, mais... Bah si, mais je suis au niveau pourtant. Je sais un peu pourquoi j'avais pas réussi la quête. Attends, il bouge point de TP. Parce que je crois que je l'avais déjà fait, ça avait bugué. Tout bon, ok. Oh, magnifique. On peut... Attends, j'ai oublié de faire un truc. Est-ce que je peux faire... C'est parti. Ah non, mais je veux jouer en fait. Je peux pas avancer et jouer. Oh, c'est wild un peu. Oh, la flûte elle est wild, hein. Tu te sens envoûté là ou pas? Tu sens l'envoûtation là? Tu sens The Elder Scrolls? Ou pas là? Quand je joue de la flûte là? Quand je souffle dans ma grosse flûte? Mais comment on fait pour... merde. Je suis où là? Mais je vais où? Pourquoi je vais là? Ah, j'avais la guilde des mages. C'est pas ça que je voulais faire. Tu vois. Taille mon. La plus grande cité de Fondantour est aujourd'hui divisée. La maison Montclair s'est annexée une partie de la ville. Dorian Gauthier m'a suggéré de me rendre sur place pour aider la comtesse Tamris et le baron Dorel à rétablir l'ordre. La comtesse Tamris retrouve les autres nobles à la chapelle de Taïmon. Il me faut m'y rendre afin de lui papoter. Non mais mon préféré ça reste le lutte. Merde. Vous êtes stupide ou quoi? Garde! Non. Pourquoi il a hurlé l'enculé? Voilà, là tu vois, je peux enlever mon casque, partir, me chercher à boire. Ce que je vais faire en fait parce que j'ai soif d'ouf et j'ai mal à la gorge. Enfin, un petit peu de sirop aussi. Et vous laissez ça et si tu veux c'est trop bien.
Merde. Il y a un mec qui vient de se faire assassiner dans mon dos. Ah, il s'en passe des choses quand on joue du lutte. Alors, caméra. Merde, encore mieux, non? Encore mieux. Eh, bonjour, madame. Nos ennuis ne semblent pas avoir de fin. D'abord, le roi fou nous envoie à la guerre contre Altevoix. Et maintenant, les nobles qui sont censés nous protéger se battent entre eux. Tout cela finira-t-il jamais? Au revoir. Je m'en branle la bite. À quel point je m'en... Ah, d'accord. Non mais reviens, madame. Je me sens pas sous les pieds, c'est un mensonge, ça. Bon, vas-y, on va commencer à faire des... Attends. Ok, je peux sneak. Faire juste mon inventaire. Est-ce qu'il est plein? Non, il est pas plein. Attends, il y a une banque ici. Atelier de tenue, je m'en fous. Banque. Banque. Juste aller à la banque, déposer mes merdes. Ça, je vais le faire énormément parce que vu que j'ai que 87 emplacements, vu que je paye pas ESO Plus et que j'ai plein de trucs importants dans mon inventaire comme la bouffe, faut que j'aille mes allers-retours à la banque qui sont tous les matins, si tu veux, je fais un aller-retour à la banque, quoi. Et pas que moi d'ailleurs. Vous pouvez me confier vos objets de valeur en toute confiance. Oui, oui, m'en fous, ta gueule. Parce que, mec, j'ai quoi? Ah oui! Ah mais je suis... Ah mais j'ai tout ça! Dis donc. Eh ben... Ça palpe ici, ça palpe! Ça palpe! Alors tout ça, c'est des trucs que je garde. Pas que je m'en servirai un jour. Mais c'est des récompenses de quête. Avec des petites phrases... rigolote, enfin c'est absolument pas rigolo, mais c'est une petite phrase de l'or que j'aime beaucoup. Ça c'est pareil. Et ça c'est pareil. C'est que des trucs un petit peu rares. Pourquoi j'ai ça? Attends, pourquoi j'ai ça? Putain, j'ai du gu. Attends, mais j'ai des trucs trop rares, mais j'étais super avancé au niveau de mes crafts. Putain, je me souvenais pas. Ouais, tu as tous les consommables. Ah, c'est ça que j'étais en train de faire. Putain, ça me revient. Ça... Non, mais j'ai... Non. Wouah, trop bien. Ouais, donc j'étais niveau 35 au niveau de la préparation de bouffe. Enfin, 34, je crois. Ah, en 31, pardon. Tu sais qu'à chaque fois que je jouais, j'avais en tête tous les putains de trucs qu'il me fallait pour faire de la bouffe. En permanence. Ah, j'aime ce jeu. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Non mais elle est où, ma manquière? Vous pouvez me confier vos objets de valeur. Oui, c'est ce que je veux faire. Le truc, c'est que... Non, comment je fais pour augmenter mon... augmenter... Oh mais j'ai pas empilé. J'ai pas empilé, c'est quoi ça? Ouais non mais je... Ouais c'est déjà empilé là-bas. Comment je fais pour augmenter mon espèce de banque? Vous pouvez me confier vos objets de valeur en toute confiance. À la voix de Miranda. Attends. Merde. Parle. Vous pouvez me confier vos objets de valeur en toute confiance. Attends, ça me dit... Ça... J'ai du mal à voir, mais je vous crois. Ah oui! Ah, d'accord, ok. 20 000 $ pour... La... non. C'est non. C'est un non de ma... C'est un non. C'est un non catégorique de ma part. Ah, mais c'est ça qu'il fallait que je fasse aussi, les cartes au trésor. Mec, j'ai dit... J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 putains de cartes au trésor. Ça me prend trop de place pour rien, ça.
C'est ça qu'il fallait que je fasse aussi avant de reprendre une vie saine, en fait. La dernière fois que j'ai joué à ce jeu sérieusement, j'y passais des journées et des nuits entières. C'était honteux. Ok, je suis au niveau 30 en potions. Putain, j'ai des trucs assez rares quand même. Enfin, pas rares, mais assez évolués plutôt. J'ai tellement de thunes en banque, mec, c'est une dinguerie. Ouais, là, le truc, c'est que j'étais un peu bloqué. C'est ça, je me souviens. J'étais un peu bloqué, en fait, par ça et ça. Et du coup, il fallait vraiment que je fasse mes putains de chasse au trésor. Mais les chasses au trésor, c'est d'un long et d'un chiant. Ok, donc ça, je peux revendre. Ça, je peux revendre. Ça aussi, c'est des trucs qu'il fallait que je revende. Mais putain, zéro, quoi, je peux pas. Ah non, je crois que j'avais fait un truc. Attends, je crois que j'ai fait un truc vous assez malin. Vous pouvez me confier vos objets de valeur en toute confiance. Et oui. Et oui, la banque de guilde. Et oui, merci la banque de guilde, frérot. Hop, ça dégage. Allez, GG généreux. J'y m'en vais. J'y suis plus là. Merci la poubelle. Mec. Non, tout ça, c'est moi qui les ai donnés, je crois. Ça, c'est pas moi qui les ai donnés, je crois. Mais tout ça, là, c'est moi qui les ai donnés parce que je m'en bats les couilles, mec. Ça, c'est pas tout ça, mais... Ah si, ça. Ah bah si, c'est moi, ça. Attends, c'est marqué. Ouais, c'est marqué. Il y a plein de trucs, c'est moi. C'est littéralement du débarras. Genre, je pourrais les revendre, mais je dis, ouais, c'est pour les copains. Ah, j'adore. J'adore être une... Ça, c'est... Ah non, ça, c'est pas moi, ça. J'adore être une honte pour mon prochain. Ça, c'est moi, par exemple. La jute, c'est moi, parce que j'avais plus de place. Oh, une bougie. Et ça, faut que je... Ah, ça, faut que je garde, ça, pour l'alchimie. Et ça, du coup, faut que je garde. Parce que c'est rare. Ça, je peux le mettre dans la banque, normalement. Ça, je le garde. Et ça, ça va en manger. Vous pouvez me confier vos objets. J'en ai pas déjà. Oh, j'en ai pas déjà fait chier. Je peux pas le lire. Putain, j'avais ça aussi, mais je m'en sers pas, quoi. Ça me saoule. J'ai du mal à m'en servir, des trucs comme ça, c'est chiant. D'ailleurs, j'en ai pas un dans mon inventaire, là. Ça, c'est pareil. Je m'en sers pas vraiment. Ouais, bah si, voilà. Merde. Ça, je m'en servais un petit peu, quand même. Le poison, j'avais commencé à m'en servir. C'était mon poison à moi. Ah, fais chier. Va falloir que je regarde aussi ma touche pour mes raccourcis de soins, parce que je m'en souviens plus. D'accord. Ah, oh, mais j'avais oublié qu'il y avait de la pêche. Mais oui, bien sûr. Mais oui, mais c'est un grand oui. Ok. Sortir. Ah bon, mon vieil arc. S'en fout. Alors. Ah, c'est niveau 7. Ouais, mais j'en ai pas encore besoin. Je pas trop. Non, ça, je m'en servirai contre les world boss. Ça va être bien. Mais du coup, attends, juste. Casque. De quoi casque? Quoi casque? Oh, si, attends. Je peux l'enlever vite fait? Mais regarde-moi ce perso tueur en série. Regarde-moi ce tueur en série. Mec. J'avais oublié que je m'étais mis une tenue pour cacher cette honte. Mec, non mais mon perso tue des gens dans la nuit et boit leur sang, hein. On est d'accord, hein. Ah, c'est honteux.
Il est cool pour le skin Tezo. De quoi? Mais j'ai pas compris de quoi tu parles, Dolly. Belle marchandise à prix honnête. Merde. J'ai fait une petite tenue 1 de Rouge Garde. De Rouge Garde, elle est 100% Rouge Garde, je crois, niveau de l'armure. À part les épaulettes, je crois. Ah, ça faudrait que j'aille voir. Et pourquoi j'ai des messages? Attends, pourquoi j'ai des messages aussi, ça? Merde. Pourquoi j'ai 10 courriers non lus, genre... J'ai tout lu, ça. Merde. My bad, j'ai oublié comment jouer. Oui, non, c'est bon. Si, attends, mais... Ah, deux, raccourci, ok. Fais un. Ok. Enfin, ça, je commençais. J'étais vraiment pas mal. J'étais vraiment pas mal au niveau du loot. Enfin, au niveau de mes besoins plutôt. On va aller faire une petite quête. Eh. Une heure quand j'ai commencé à jouer, j'ai pas encore fait de quête. Grand classique, ça. Petite quête pépère. Et surtout l'ambiance, bon là, fond de retour, c'est un petit peu... c'est un petit peu la tristesse incarnée, mais... Mais en vrai, l'ambiance du jeu est tellement bien. Est-ce que vous l'entendez bien ou pas vous entendez bien les sons du jeu ou pas? Ah. J'ai envie que t'entends les criquets là. J'ai aucune idée de c'est pourquoi la quête finalement. On va juste libérer la ville là. Putain, je me souviens plus. Parce que toute la trame scénaristique, c'était une trame scénaristique principale, bien entendu. C'est pour ceux qui connaissent pas, hein, au cas où j'explique. Mais t'as une trame aussi scénaristique du monde. Et c'est ce qui me pousse finalement à faire un petit peu le jeu à 100% comme ça. Citron. J'adore mon pet, hein. Lui là, il est trop bien. Hein. Oh, t'es beau bébé. Oui, t'es beau. Cet homme paye. Vous avez envoyé la garde à l'ouest pour chasser une rumeur? Nous avons besoin de ces troupes pour protéger Taïmon. Pas dans sa totalité, Baron. Mon père en aurait fait autant. Le capitaine Janev découvrira la vérité et me fera son rapport. Comtesse, Baron, je vous en prie. Nous devons rester concentrés. Eh oui, ne perdons pas notre temps. Tant que Montclair tiendra la ville haute, toute la région sera en danger. Comment pouvons-nous vous faire confiance, comte Corbeguet? Votre amitié avec Montclair est notoire. Qu'avez-vous proposé à ces capitaines pour qu'ils nous trahissent? Non, mais regarde pas. J'apprécie le comte encore moins que vous, Baron. Mais il n'a rien fait pour mériter de telles accusations. Faut arrêter, hein. Du moins, pas encore. Faisons un exemple des deux traîtres. Et nous pourrons reprendre la partie haute de la ville. Vous ne vous en rendez pas compte? Je ne dis pas le contraire, Baron. Mais nous devons avancer avec prudence. Cette situation est plus complexe qu'il n'y paraît. Je sais que je vous rends nerveux. Ils sont en train de parler de guerre, hein, mais... Nous devrions peut-être continuer cette conversation lorsque nous serons plus apaisés. Du calme, messieurs. Nous avons de la visite. Avancez, mon ami, et dites-nous ce qui vous amène. Alors moi, je suis musicien. Vous mettez ma patience à l'épreuve, tous les deux. Je commence à comprendre ce qui a poussé Montclair à abandonner notre triumvirat. Ok. Mais moi, je suis venu pour prendre un petit pécule. Non, bonjour, madame. Après la mort de mon père, je suis revenu à Taïmon pour trouver une ville divisée et notre pays en péril. Les intentions du baron Dorel sont bonnes, mais il a toujours tendance à foncer tête baissée au lieu de prendre le temps d'observer son chemin. Mais qu'est-ce qui vous amène à fond de retour, l'ami? Moi, je suis là pour aider parce que je suis un héros. Bien sûr. La lumière, comme toujours, nous guide. Le baron Montclair a changé. Si, si, si. Nous devons découvrir ce qui l'a mené à prendre tant de risques.
Un putain de dieu des draps, je crois. Nous avons besoin d'indices sur les raisons de sa trahison. En tout cas, une belle grosse unité des draps. Deux officiers de la garde de Taïmon. Okay. Ils ont rejoint les rangs de Montclair et l'ont aidé à prendre la ville haute. Ah, ça c'est un... Cherchez Orlozag Krayazol et Juberic Gan. Vous pourrez peut-être vous occuper de ces traîtres et découvrir les motivations de Montclair. Pas de problème. Le baron Dorel pourra vous en dire plus. Attends, fort quand tu parles, si tu montes un peu ambitieux fort. Ah, tu montes un peu fort pas par rapport à pas plus que tout noble de maison, j'imagine. Peut-être baisser un petit Mon peu le son Mon père ne l'a voix. Jamais aimé, cela dit. J'ai pas fait gaffe. Mais un changement aussi radical, mettre autant de gens en danger. Je prie pour que la sagesse atteigne nos ennemis. Mm-hmm. Comme d'habitude dans TES. De quoi, le son des dialogues qui explose? Je t'avoue que... En vrai, j'ai pas fini Skyrim. Bon, j'y ai beaucoup joué, hein, comme tout le monde, mais je l'ai pas fini. Et c'était sur 360, donc il y a un bail, et j'y ai pas rejoué depuis. Ah, d'accord. Enfin, ça, on peut pas te dire que j'ai pas joué non plus à Oblivion, ni à tous ceux d'avant, parce que bon, ouais, trop jeune. Mais ouais, en vrai, j'aime bien entendu, c'est cool, mais j'ai pas vraiment plus d'expérience que ça avec la licence. Un problème des draps, ouais, bah ça, ouais. C'était pour ceux qui savent, je sais pas si je vais pouvoir le retrouver dans les. Ah si, il y a un index, il faudrait que j'aille regarder. Mais c'était un dieu, enfin une divinité des draps qui piquait, enfin qui rentrait dans le sommeil un petit peu à la Freddy Krueger. Et puis qui tabassait mentalement son hôte. Ça c'est ouf, j'ai bien kiffé. Et inquiète, t'es cool. Voilà. Pensez-vous que Montclair souhaite démarrer une petite GR? J'imagine qu'il croit que nous allons nous rendre et accepter ses conditions. Mais cela n'arrivera pas. La maison Tamrit et la maison Dorel jamais ne se plieront à de telles extravagantes demandes. Ça me fait penser à un truc. Et je sais que le haut roi ne laissera pas une telle trahison impunie. Probablement un sentiment de déjà-vu. Le baron me voit comme une gamine et moi je le vois comme un crétin pompeux. Que la lumière m'accorde la patience. Je sais qu'il veut paraître fort et plein d'assurance. Mais nous devons scruter les ombres et comprendre ce qui a mené Montclair à agir de manière aussi impudente. L'a pas du gain. La maison Corbeguet est une vieille famille de Fendretour. Quant à Vérandis, je ne l'aime pas. Quoi qu'il en soit, bon, et malgré sa longue amitié avec Montclair, le comte semble sincèrement vouloir apporter son aide. Il a une profonde affection pour notre peuple. Dagodak. Ok, bien sûr qu'on va, on va tuer tout le monde et on va trouver des preuves. Des preuves. Bien entendu. Attends, est-ce que je peux trouver... Il y a un index déjà. C'est quoi là, monsieur, que ça joue? Il met des adversaires sur le champ de bataille. Peut-être qu'il y a. Succès. Oh là 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 là. Ouais, même si ça compte ceux des DLC et tout, mais 43 000 succès. La dinguerie. T'as tout le livre aussi, 297 putain de bouquins. Tous lisables, consultables plutôt. Le merdier, ah mais mec, mais... T'imagines même pas. Mais y'a pas de... Non, parce que les quêtes c'est bien. Mais la bibliothèque, je m'en fous un peu. Pas beau ici, ça me dit un truc, mais bon, après c'est pas des lectures immenses non plus, mais elles sont là quoi. Putain, y a pas de... Oh, c'est dommage ça. Déjà qu'on avait check Payday 2, mais alors les vrais MMO, non merci. Ouais, mais après Payday 2 aussi c'est différent quoi. Payday 2 il est chiant, alors que là bah t'as le temps quoi. Non, y a vraiment pas... Pas un succès quand même. Bon. Je parle du aussi. Ouais, je comprends bien, mais les MMO souvent t'as le temps quoi. Genre c'est un truc que tu fais sur des années quoi.
Alors que bon, sur des Payday 2 sur des années, si tu veux. Déjà au bout de 20 minutes, ça me pète les couilles. Ok, bon, c'est pas grave. Il faut qu'on aille en dehors de la ville, j'imagine. Ah non! Même pas. Trouver des preuves. Il y en a une qui est. Non, il... faut la quête, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont. Non essentiels. Ah non, c'est juste ce qu'il y a à faire, d'accord. Je peux lui parler au baron ou il va me. Trouvez ces traîtres et faites-les payer. Tout le monde verra ce qu'il en coûte de trahir Taïmon. Quantès m'a dit que vous pourriez m'informer de la situation. La situation? Que dire? Le baron Montclair a trahi tout Taïmon et a pris la moitié de la ville. Ah oui, des ah oui, gens ont été tués et blessés, des propriétés détruites. Maintenant, Montclair nous a demandé de nous rendre et de le nommer roi de Fondretour. Pourquoi tombons-nous, baron Alard Dorel? Et oui, pour mieux nous relever. On croirait entendre la comtesse. On se fiche de savoir pourquoi il veut être roi. La seule chose que nous voulons, c'est l'arrêter avant qu'il ne prenne tout Taïmon. C'est un homme sans honneur, un lâche. Jamais je ne plierai le genou face à lui. Jamais. Ok, mais tu peux me dire quoi je sur les deux cons, là? Je ne sais pas ce que Montclair leur a promis. Mais un tel manque de loyauté ne saurait rester impuni. Nous devons nous montrer fermes. Nous devons agir avec détermination envers ces traîtres. Ils se trouveront dans le haut de la ville. Probablement dans les casernes ou au manoir de Montclair. Est-ce que vous discutez souvent avec la comtesse? Elle est jeune, sans expérience. Oui, et toi, t'es un vieux con, quoi. Enfin, si vous, elle se tourne vers la prière la bagarre, plutôt que la raison. Un dirigeant doit réfléchir, puis agir. Pas prier ce maudit arqué au moindre souci. Si nous hésitons aujourd'hui, nous perdrons sûrement tout ce qui nous est cher. Ok. Bisous. Attends, je vais baisser un peu les voix parce qu'il me semble un peu forte quand même. Voilà, ça tente. Hop, et je peux ne plus toucher à mon PC. Quel bonheur, j'adore. Les courses auto, c'est quand même le futur. Hein. Oh, il y a un world boss. La tour Gaieteval. Jasmin. Non, mais va avancer en France. C'est bien les grillons, j'aime bien les grillons. C'est calme, c'est bien le calme. Ah oui, c'est vraiment de l'autre côté de la ville, quoi. Hein, genre. Il est mort paisiblement. Non, oh bah attends, on va aller piller de fou. Hein. On va aller piller de fou. M'en fous. Ah, du fromage non texturé. Du fromage texturé pauvrement plutôt. Je la connais? Non, je la connais pas fort. Seigle, ginseng, algue. Je prends ça. Y'a rien. Non, je peux rien faire. Attends, et c'est comment pour Switch? Normalement j'avais... Ah, comme ça. Ok. Oh, y'a un livre. Y'a un livre. Un livre de la magie. Sont très très chiants à trouver. Petite pierre de lune, magnifique. Ça sera pour la banque ou pour le revendre. Oh nice, on va revendre ça. Ouais, parchemin des doués meurs, dis donc. Il y aura après. Okay.
Ok. Plus loin, Antique de 1, volume 11, Azura et la Bouite. Par Maura Barsul. Malgré une jeunesse très aventureuse. C'est compliqué ça. Compliqué à porter, hein. Tchnulbar avait fini par devenir un très vieux scientifique d'une grande sagesse qui passait sa vie à rechercher la vérité et tordre le cou aux superstitions. Il avait inventé de nombreuses choses, découvert de nombreux théorèmes et structures logiques qui portaient son nom. Comment ça va être chiant en maths ? Mais la compréhension du monde lui échappait encore et il ne connaissait pas de plus grandes énigmes que la nature des Eidra et des Deidra. Au cours de ses recherches, il arriva à la conclusion que de nombreuses divinités avaient été créées de toutes pièces par les hommes et les mers. Mais rien ne posait plus de problème à... Oh, c'est galère ton nom, frérot. Je vais t'appeler trou du cul. Que les limites du pouvoir divin. Les êtres supérieurs étaient-ils le maître du monde, les maîtres du monde, ou bien les créatures les plus humbles étaient-elles capables de forger elles-mêmes leur propre destinée? Trop fort. Sentant la fin approcher, trou du cul se sentit de plus en plus déterminé à percer ce secret. Un saint prêtre chimère, du nom de trou du cul numéro 2, faisait partie des relations du sage. Quand trou du cul numéro 2 se rendit à... Ville de Trou du cul, lui confia ce qu'il avait l'intention. J'ai 5 ans et demi. Avec ce qu'il avait l'intention de faire pour découvrir la nature du pouvoir divin. Terrifié, le prêtre supplia son ami de ne pas tenter de violer ce grand mystère, mais il ne put ébranler la détermination de Trou du cul. Finalement, par affection pour son ami, Trou du cul numéro 2 accepta d'assister à l'expérience, bien que redoutant les conséquences de ce blasphème. Quelques jours plus tard, Trou du cul numéro 2 invoqua Azura. Après un rituel au cours duquel le prêtre déclara sa foi en la puissance de la Dédra, et que cette dernière accepta de ne point lui faire de mal, Trou du cul et une douzaine d'étudiants entrèrent dans la salle d'invocation en portant une grande boîte. Sur nos terres, ô Azura, vous êtes la déesse de l'aube et du crépuscule. Et de tous les mystères, déclara Trou du cul, en essayant de paraître aussi aimable et obséquieux, ok, oui, d'accord, que possible, on dit que votre savoir est sans limite. Ah, c'est un fait, dit Azura. Eh ben, parle comme ça, hein. C'est un fait, répondit Azura dans un sourire. Vous devez donc savoir, par exemple, ce qui se trouve dans cette boîte en bois, poursuit Trou du cul. Azura se tourna vers Trou du cul numéro 2 en fronçant les sourcils. Le prêtre s'expliqua bien vite. Déesse, ce Dwemer est un homme sage et respecté. Croyez-moi par pitié, il n'a pas l'intention de se moquer de votre grandeur, mais d'en faire la démonstration scientifique pour convaincre sa race de sceptiques. J'ai tenté de lui expliquer votre pouvoir, mais sa philosophie est telle qu'il doit en avoir la démonstration. Si je dois faire la preuve de ma puissance pour permettre aux Dwemer de comprendre, vous auriez au moins pu me demander quelque chose de plus difficile, grommela Azura, qui se retourna pour fixer Trou du cul dans les yeux. Il y a une fleur aux pétales rouges dans cette boîte, dit-elle. Trou du cul n'eut pas un sourire, pas un froncement de sourcils. Il se contenta d'ouvrir la boîte et de montrer à tous qu'elle était vide. Quand les étudiants se tournèrent vers Azura, elle avait disparu. Seul Trou du cul numéro 2 avait vu l'expression de la déesse avant qu'elle ne parte, et il était incapable de parler. Il tremblait trop, une malédiction avait été lancée, il le savait, mais le plus cruel était d'avoir assisté à cette démonstration. Trou du cul semblait également très pâle et chancelant, mais son visage ne trahissait aucune peur, uniquement de la béatitude. Le sourire d'un Dwemer ayant la preuve d'une vérité qu'il soupçonnait depuis longtemps. Deux de ses étudiants vinrent le soutenir et deux autres soutinrent le prêtre pour quitter la salle. J'ai beaucoup étudié au fil des ans, j'ai effectué d'innombrables expériences, j'ai appris un millier de langages, et pourtant l'astuce qui m'a permis de découvrir la vérité ultime, je l'ai apprise alors que je n'étais qu'un pauvre jeune homme, n'ayant comme seule préoccupation que de trouver à manger, murmura le sage. Alors qu'on le conduisait jusqu'à son lit, une fleur aux pétales rouges tomba de sa robe volumineuse en haut de l'escalier. Trou du cul mourit cette nuit-là, les traits détendus, sa soif de connaissance avait été enfin apaisée. C'est trop classe, putain! Oh là là, c'est... Et alors, oh là là, c'est tellement classe! J'adore, mec. J'adore ce genre de texte. Il a littéralement enculé. Il a fait un 1v1 contre un dieu, il a gagné. Hein. Il a fait un 1v1 contre un dieu des draps, il a gagné. C'est le fou. C'est des méchants. Parce que j'en ai pas rien à foutre de taper les méchants. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah. Bonjour. Ça va? Non mais... C'est-à-dire que je suis là en visite.
Moi, bah, si je suis là en visite, je suis en visite, hein. Non, mais c'est pas que j'aime. Ah, ça c'est fâcheux. C'est bah, oula. C'est pas que j'aime pas la guerre, mais il m'attaque pas, donc. Non, mais je peux passer. Je sais que je peux passer, je vais passer. Ah, mais ça va en fait. Non, mais je suis sûr qu'il y a un coffre avec genre 5 kamas dedans. Ouais, c'est bon, j'ai aussi. Non, mais je vois d'office. Non, mais attends, c'est trop bizarre. Mais t'es en train de me dire qu'il garde un escalier vide? Non, j'y crois pas. D'accord, j'y crois peut-être un petit peu. Ah, c'est une gargoule. Non, je peux pas, bonsoir. C'est pas grave, bon, on va partir, hein, à l'autre part. Bisous. Alors, tu ne m'en veux pas. Oh, what? Non, jure! Du mobilier! Mais trop bien! Mais oui, Gucci! Non, ça, je crois. Ouais, je crois que c'est juste un mur invisible. Bon, eux, ils vont. Ouais, voilà. Ouais, eux, ils s'en foutent déjà un peu moins. J'ai pas le droit d'avoir de musique là? Est-ce que j'avais pas coupé la musique? Attends. Attends, il faudra que je regarde ça après le combat parce que je crois que j'ai coupé la musique de combat. Et que, alors, pour jouer tout seul, il n'y a pas de problème, mais en stream, je pense que ça va vous faire chier assez vite. Voilà. Non, j'avais coupé la musique tout court, mais c'est pour ça que c'était chiant. Oh, je suis désolé. Ça a l'air bien là. Attends, je fais avec mes volumes en même temps. J'adore le son de la pluie est magnifique. Voilà. Je suis désolé. J'avais complètement oublié que j'avais pas mis de musique. Enfin, que je l'avais plutôt enlevé. Je m'en fous du chêne un petit peu. Normalement j'ai un bonus de dégâts quand je suis Ouais, bon, c'est pas foufou, mais au moins c'est là, quoi. Ah, c'est un peu mieux déjà. Oh, lui il a pas eu de mort il a pas eu de mort sympa lui. Une glyphe? Ok, je veux. Oh putain, les glyphes, j'ai complètement oublié à m'en servir. J'ai complètement oublié comment on s'en servait des glyphes. Quoi ça? Oh, du minerai. Bien sûr. Mais j'en ai 20 sur moi, faudra que je le revende ou que je le mette en banque parce que. En banque de Gide. Je ne suis pas là, je suis invisible. Ah, merci de drainer ces ennemis de leur vie. Homme invincible. Mais je crois que c'est insensé les dégâts. Enfin, les ennemis. Genre pour moi, ils seront à mon niveau et pour lui, ils seront à son niveau, quoi. C'est ce qui lui fait des dégâts de malade mentaux. Est-ce que... Attends, ça fait longtemps que j'ai pas fait un assassinat. Je sais pas si je vais réussir. Non, bon, c'est pas grave. J'aime plus comment on peut faire des assassinats. C'est pas à la dague uniquement. C'est juste une chance en étant dans le dos. Après, je l'encule, hein, mais... Oui, non, mais arrêtez d'être tout électrocuté, là, s'il vous plaît.
Je sais pas s'il y en a d'autres. Putain, ils ont tout fouillé déjà. Ah mais ils ont vraiment tout fouillé. Aïe. Ah bon, ça je vais pas les lire hein, parce que je m'en fous. Juste lire les livres qui sont reliés à la magie. Bouteille d'alchimie. Oh nice, une lampe de santé. Gratuit. Ça c'est gratuit. Sac à dos est vide. Oh les cachots de la caserne. Mmh. Ah bah ils sont fermés à clé. Je vais du loot. Il y a un accroché que je peux avoir. Oh, il y a du pain. Du bon pain. Et du fromage. Je m'en fous. La bouillir. Une passe whiff. J'aime pas demander. Il passe bien le stream, le jeu en stream. J'aime pas faire gaffe. Ça se trouve le truc ça rame depuis tout à l'heure. On va s'infiltrer quand même. Jusqu'à temps qu'on s'infiltre plus mais... Vas-y fais voir il est... 6, 4, 1. Ouais bah c'est de la merde au poker. Ça rame pas, magnifique. Ah il y a déjà un peu plus de monde ici. Tu vois, ces petits thèmes là comme ça, in-game, que je trouve magnifique. C'est cette acharnée de Dorel qui vous envoie, hein? Non, à moins que ce soit cette chère Tamrine. Peu importe, la souris vous envoie. Ok, alors ça m'a un peu surpris. 1 Voilà. Ça c'est mon ulti. Gilet de magique en cuir. Je crois que mon armure à moi est bien trop bonne. Et bien sûr, forcément, je me suis mis tanky. Ouais, je suis en violet ici, et puis là... 2284. Elle est niveau 24, mais le truc, c'est que, bon, bah, elle est trop bien, quoi. Puis en plus, je suis à 5, je suis en... Ah oui, c'était du 5 sur 5, j'avais le set complet, d'accord. Jure, mais ça fait... Je sais pas si c'est là. Vous m'aidez? Ces maudits salauds de Montclair m'ont surpris pendant que je fouillais dans les parages. Je sais pas si c'est la zone ou pas, mais déjà on va faire ça. Mais il y a plein de demandes pour faire les World Balls. Avant il y avait personne qui les demandait. Général Rezaljoul. Orlozak, vous trouverez d'autres recrues. Je vous ai promis des ressources et je ne reviendrai pas sur ma parole. Mais j'espère que vous ne vous tromperez pas au sujet des créatures que vous pouvez créer. Vous m'avez promis une armée de serviteurs forts et dociles, et je compte sur vous. Sans cela, nous pourrons toujours créer davantage de sangres bêtes. Oh putain, non, prenez sangres bêtes. D'ici là, défendez la partie haute de la ville lorsque le moment sera venu amener des renforts et progresser. Prenez toute la ville. Utilisez les vieilles écuries enfiévrées pour rassembler vos troupes. Vous pourrez y ouvrir un portail et j'y enverrai mes troupes loin des yeux de la garde de Taïmon. Alors nous pourrons lancer une attaque surprise et tout Taïmon sera à moi. Ha 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 ha, rire de méchant. Et rappelez-vous, utilisez les pouvoirs qu'on nous a donnés. Vos créations sont des choix. Mais employez notre merveilleux don à créer d'autres vampires et sangres bêtes chaque fois que l'occasion se présentera. Je suis certain que Dorel et Tamriss repousseront leur décision de plusieurs jours, ce qui nous laisse amplement de temps. J'ai hâte de les entendre nous supplier de les épargner. Baron Montclair. Clairement en train de faire des méchancetés. Ça va, frérot? Si vous ouvrez cette cage, vous vous ferez un ami pour la vie. Oh, jure! Scordol sur un, un ami pour la vie! J'ai envie de me reposer un peu. Quel bonheur! À votre avis, eh bien, j'ai été capturé, c'est pas évident? Je suis un des gardes de Taïmon.
Bon, c'est pas évident. Libérez-moi et je vous aiderai. Ok. C'est bon, tu veux ? Ah oui, bah ouais. Attends, je hack la cellule à distance. Merci de votre aide. Vous êtes quelqu'un de bien, vous. Et maintenant, il faut que je présente mon rapport au baron Dorel. T'es pas obligé, attends, ça hurle vraiment beaucoup les sons. Les voix, les mecs, ils hurlent en permanence. Ça va. Tout le jeu, il hurle en fait. Voilà. Il est quelle heure ? Il faut que je... Ah, faut que je joue dans 40 minutes, ok. Ok, bon, ça aurait fait une petite session, mais ça aurait une petite session pas mal. Putain, il se repeut plus vite ici. Je t'ai exterminé il y a 5 minutes. Hop. Merci d'être passé en tout cas. Hop, ça c'est fait. Elle est plus folle qu'un chat sous Skouma. Ah. Ah, vous êtes bien niqué là, hein. Hop. Alors moi j'ai fait... La. J'ai encore là-bas. Ah mais là c'est la ville qui est ok. La ville qui est pas toute pétée. Merde, ouais, bon j'ai tenté. Bah oui non. Bien sûr quoi. Hop, toi tu dégages. Genre je l'ai pas fait tomber là. Faudrait que je le remode le jeu. Hop. Alors du raisin, remonte quand on... Ça je peux le revendre mais le raisin je m'en fous. Okay. Non mais... Fais un double saut pour moi s'il te plaît. Toujours faire le tour. Que oui, truc un peu planqué. Tiens. Une porte que je ne peux pas utiliser à, la... à l'instant T. Ça va d'où ça? Ah oui, c'est un donjon. Ouais. Je me disais. Mourir. Voilà. J'adore l'or, j'adore l'argent. Qui est dans le manoir? Ah, il y a des gens. Il y a des gens dans le manoir. Ok, c'est des soldats. Pourquoi je prends des légumes verts, espèce de malade? Tu m'as pris pour un terroriste? Non mais je peux pas... Bougez. Ok, magic système. Ça va, y'a pas de rougière d'en face, j'ai le droit de faire ce genre de blague. Non mais reste là par contre. Est-ce que... C'est merde. Merde. Non mais forcément
qui a fait... Oh. Une autre carte au trésor, forcément. Forcément, j'ai besoin de ça. Oh, ça c'est un livre... Ah, d'accord. Donc je m'en fous. C'est un... D'accord. Oh, je la connais pas. Étagère elfe des bois. Nice. Oh, le petit soldat qui passe le balai. Et moi je viens décemment l'assassiner. Ça, je fais pas mal de dégâts. Magnifique. Bon, j'ai pas encore un drain super ouf de vie, mais... Je ne cautionne pas ces dires. Elf lives matter, comme on dit. Quelque chose d'intéressant? Non. Non, y'a rien d'intéressant ici. Non, faut que j'arrête de prendre de la. Oh! En fait, purée à la U, je l'ai déjà? Ah, j'ai déjà. Ah, mais c'est gigantesque en fait. Ok, ça c'est la preuve. Citrouille. Crochet et du nickel. Magnifique, magnifique. Et du coup, c'est intéressant. Ok, fait pour sa réponse à lui. Baron Montclair, je regrette que vous ne puissiez pas rester jusqu'au bout, mais Taïmon nous appartiendra bientôt. Je vais suivre vos ordres à la lettre. Le haut de la ville est sous notre contrôle. La garde de Taïmon est dispersée et bientôt, le portail sera prêt. Nous pourrons acheminer d'autres troupes de Montclair à leur nez et à leur barbe. Je continue d'employer nos dons merveilleux pour transformer de plus en plus de gens en vampires. Comme vous l'aurez certainement observé, le processus est souvent très accéléré. Pour chaque vampire que je crée, pour nous rejoindre, j'obtiens une dizaine de sangrebêtes démentes. Le ratio n'est pas super ouf, mais bon. Ainsi va la guerre. Voir davantage, bien sûr, elles ne sont pas inutiles, mais tout de même. Avez-vous réfléchi à ma demande? Je sais que mon travail, mon projet personnel, si vous voulez, vous sera bénéfique. Imaginez votre belle armée renforcée par d'implacables créatures nécromantiques. J'ai déjà rencontré un certain succès et je sais que je suis sur la bonne voie. Et lorsque nous aurons pris le contrôle de Fendretour, nous pourrons tourner notre attention vers le sud. Nous pourrons réussir là où Rancer a échoué. Il me faut simplement du temps et davantage de ressources. Personne. Personne, mais le loot est bon. Ah, le loot est très bon, le loot est délicieux là. J'adore ce loot là. J'adore ce loot. Oh, il y a un qui rentre au fer. Ouais. Déjà mort. Magnifique. Non, non, tu ne castes rien, toi. Tu ne fais rien. Tu ne bouges pas. Tu meurs. Tu apprends à mourir, s'il te plaît. Oh! Bibliothèque bretonne serpentin. Du don. Ah, ça m'avait manqué quand même de jouer. Ça m'avait... Merde. Ça m'avait manqué de faire un petit peu de MMO.
Ça fait un bail que j'ai pas joué. Ok, j'ai pas fouillé la pièce qui était en face de moi. Ni je crois que je vais pouvoir le faire tranquille. Merci bien à celui. Merci bien à Jésus qui est passé et qui a réglé le problème. Hein. Oh, petite tourte. Je mange que ce que j'ai préparé. Sauf l'alchimie. Okay, y a plein de trucs. Oh, c'est cool, c'est cool. Fais voir où est le dernier con. Il est là-bas. Ah mais c'est pas là où je suis en train en fait. Ah là 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 là. Personne m'a vu, je suis invisible. Ok, parfait. Attends, il y a quoi là-bas? Ça m'intrigue. Cristaux qui se cache derrière. Non, parce qu'on les connaît, les devs. Hein. On les connaît. C'est quoi, c'est des petites bébêtes? Non, ils ont tué des... moutons. J'ai l'impression que c'est des boutons. Bande de salauds. J'ai un peu la flemme de les combattre. Okay, donc là je vais tomber vers ok. Et là ça sert à rien d'y aller, y a rien. Ok, et eh bien on va aller se faire juberiganer. Ouais, sorti. Ce sont ces imbéciles de Dorel et de Tamrit qui vous envoient. Laissez-moi vous montrer le pouvoir que j'ai reçu depuis mon entrée dans la maison Montclair. Ça va, Jubéric? Non, ouais, c'est bon. Je crois que je suis arrivé en plein milieu du dialogue, mais que veux-tu? On décide pas forcément, hein. Oh. Ah. Ah non, c'est le bouclier du prophète. Ah mais ah non, ah ouais, mais je m'en fous en fait du coup du pacte de Torug. Fais voir. Elle a 10 niveaux de plus. 200, 8, 9, 10, 11, 300 de dégâts de plus. Enchaînement de l'arme chargée. Ouais, dégâts de foudre. Augmente la puissance des coups critiques de l'arme ou du sort de 2,6%. Ouais, c'est pas mal. Tu es quel niveau? 34. Josimar. Piste 30 du roi fondu. Ceci vous permet de mener des fouilles pour l'antiquité du trou. Quoi? What? What is this? What is this? That is this? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ceci? What? Mais c'est... Attends, c'est nouveau ça, non? Les antiques... Qu'est-ce que... Quoi? Ah, ça vient avec bord de ciel. D'accord. Ok. Mais j'ai quand même accès au truc de la vie quoi, enfin de normal.
Il y en a combien par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, il y en a 9 par... D'accord. Ok, c'est par codex. D'accord, ok. Ok. Attends, du coup, l'épée. Ouais, je gagne en tout. Ouais, je gagne absolument en tout. Ouais, bah l'épée du pacte, je m'en fous un peu du coup, hein. Elle est vraiment, vraiment bien. Après, en décisif, ça m'a pas encore. Le décisif m'a vraiment jamais servi, je crois. L'ultime supplémentaire, c'est bien contre les world boss et tout en vrai. Mais 23,3%, c'est une chance sur 3. C'est moins d'une chance sur 3 plutôt. Une chance sur. Attends. Ouais, c'est une chance sur 5 plutôt. Puis un peu sa mère, donc bon. Puis au moins, je gagne en dégâts. Ouais, je prends 300 de dégâts quand même. Non, 300 de dégâts des sorts. Et bah, si 306 dégâts des armes, c'est pas mal. J'adore ce skin là. Hein. J'adore ce skin là, vraiment. Bon, même si en électrique, ça fait clairement arme BDSM, mais. Que veux-tu? Que veux-tu? On choisit pas, hein. Ah. Donc quelqu'un a vomi dans ce bol, apparemment. Magnifique. Maïs, oui, je sais pas quoi je m'attendais. Y'a vraiment pas de loot intéressant, genre tout a été vidé déjà, là. Wow. Je suis triste, hein. Ouais, bon, à l'instant, ça a déjà été vidé, j'ai l'impression. Arrive au bon moment, fait chier. Ouais, non, je suis vraiment pas arrivé au bon moment et j'ai pas envie d'attendre que ça repop. Je prends ça et je vais pouvoir le revendre ou le faire fondre, je pense. Ah, ça me fait chier. Bonjour. Ça me fait chier. C'est cool que les instances soient partagées. Hein. Enfin, c'est cool. Ça change rien, mais c'est plus facile pour le jeu, quoi. Mais bon, des fois, pas... Des fois, pas de chance au timing. Hein. Et du coup, tu te fais damer le loot. Et ça fait un peu chier. Non mais non. Il s'est... La 5 robot s'est fait démonter. C'est fermé. Bon on se casse, hein. Cœur 30, ok. J'ai dit bon, voilà, on se casse. Enfin, est-ce que je me suis fait de la thune? Enfin, est-ce que ça me rapporte un peu de thune ou pas? 0, 0, 0, 0, 0. Oh putain, bon, au moins je vais pouvoir le faire fondre. Principal. C'est le principal. Je vais absolument pas prendre les chemins normaux, hein. J'ai pas envie de me battre. Je n'aime pas la violence. Lydie avec une base. Je l'ai découvert ou pas? Oui, je l'ai découvert. Ah, des fleurs. Des petits bleuets. Bien sûr que je prends. Merci. Il y en a qui ont des dragons du futur. Putain de trucs qui viennent littéralement des enfers. Après, bon. Après, je parle, mais. Toualtevoix parle de vous. Ok. Abattre ces deux Pelingars était un acte héroïque.
Passe DM. Attends, j'ai envie de changer. J'ai envie de vous montrer d'autres. Un autre putain. Non, putain, pour non. Un autre familier. C'est quoi déjà ça? Non, pas une monture, un petit familier pacifique. Quoi c'est là? Oh les noumimi! Et trop kiki! Mec, regarde le petit flamouche! Oh bébé! Bidou. J'ai 22 ans, hein, c'est honteux. Je fais des bisous à des flamouches. Oh là là, regarde petit bébé! Oh là 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 là. Le putain de rouge garde demeuré. On était une petite flamouche. Non, elle m'attend en plus. Oui, 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 Tibille. J'aime les animaux de compagnie. Bonjour. Quelles nouvelles de la ville haute? Sommes-nous débarrassés des traîtres? Oh que oui. S'occuper des traîtres, par contre, mon clerc est parti, il a laissé le général Razeljoul aux commandes. Bon sang, l'argonien de mon clerc est aussi fou qu'un ragnard sauvage. Il n'y a pas de racisme ici, hein. Ces soldats ont enlevé racisme, quelques nobles comme ça, en plein jour. Probablement une assurance contre nous. Mais il doit comprendre que je ne négocie jamais avec les terroristes. Tiens, c'est bien un truc, ça aussi. Alors nous devons agir vite. Aller aux écuries, puis libérer Dame Orin Tamrit, Niltin Albergama et Sir Estienne Guillon. Si l'occasion okay. se présente, éliminez Razeljoul au passage. Pendant ce temps, nous allons mobiliser la garde de Taïmon et reprendre le haut de la ville. Ce Razeljoul a capturé des nobles. Nous ne saurions tolérer des actes aussi effrontés. Tout à fait. Il est temps d'agir, comtesse. L'heure des discours est passée. Comment pourrons-nous marcher vers la lumière si nous laissons d'innocents sujets se languir? Attendez, vous êtes d'accord avec moi? Ne soyez pas surpris, Ezeld. Nous savions que ce jour viendrait. Notre ami ira aux écuries en fiévré pour chelou la danse drunk, hein. Les renforts pendant que nous reprendrons la partie haute de la ville. Une attaque en tenaille. Bon, très bien, Baron. Comme vous voudrez. Donnez l'ordre et ralliez la garde de Taïmon. Avec plaisir. Il est temps de montrer à ces lâches de mon clerc. Le mec, il est entre une baron et une comtesse. Un instant, mon ami. Je sais peut-être quelque chose à propos des écuries enfiévrées. C'est pour ça que j'ai baissé le son et que j'ai coupé le son de la musique, parce que des fois, elle fait ce qu'elle veut. En fait, ils sont en train de parler, le mec, il est en plein... Je n'avais pas en plein putain de rush de son concerto. Ah. Ok, mais pourquoi? C'est un ravin situé derrière le haut de la ville. Il a été scellé pendant des années. Ils envoyaient autrefois les infirmes et les malades là-bas. Oh. Ceux infectés par le fléau, la fièvre qu'agite, la peste, la lèpre, ok. Ouais. Les choses de ce genre. Mais c'était il y a fort longtemps. Persuasion, vous rappelez-vous des détails qui pourraient m'aider? C'était un vieil endroit humide. Ah oh, je me rappelle maintenant. Aucune blague. Aucune blague ne sera faite sur cette phrase. Vous pouvez vous glisser dans le vieux tunnel des égouts. Il mène directement près de l'entrée des écuries enfiévrées. Ok. D'après mes souvenirs, le ravin est criblé de grottes. Il y a même une section encore plus vieille, une ruine ancienne. Si cet argonien utilise un portail pour faire venir des renforts dans la ville, je pense que ces ruines seraient le lieu idéal à cet effet. Magnifique. J'y vais de ce pas. On va bien entendu passer par l'autre entrée. Ah, c'est là en fait l'autre entrée, d'accord. C'est ici. Mais oui. Ouais, ça amène pas beaucoup. C'est griffant de retour quand même. C'est parti. Petite instance, ça va être bien. Les écureuils enfiévrés. Oh, j'espère avoir des squelettes. J'espère qu'il va y avoir des pestiférés squelettes. Ça va être bien, ça. Mais pourquoi j'ai... Attends, je comprends pas. Pourquoi j'ai 10 messages en attente
Comment ça j'ai dit courrier non lu? J'ai tout lu mes courriers. J'ai zéro courrier. Pourquoi je me dis que j'en ai 10, ce fou là? Pas si vite, mon ami. Aucune raison que vous affrontiez ceci sans aide. Grand prince. Enfin, je présume compte, que coup, vous mais... êtes venu secourir les nobles et arrêter les renforts de Montclair. C'est exact. Mais si Rizal Jules est ici, vous ne devriez pas l'affronter seul. Figurez-vous que je ne manque pas de ressources. Il est pas vraiment lorsque caché non plus, quoi. Que Montclair avait quitté la ville et que les nobles avaient été faits prisonniers, débusquer cet enragé d'Argonien n'a été qu'une simple formalité. L'Argonien, cela fait longtemps qu'il est au service de Montclair. C'est un alchimiste et un... Un Argonien est un alchimiste de base, hein. Quoi que je le soupçonne d'avoir des centres d'intérêt bien plus obscurs. Alors, leur terre natale, c'est... La nécromancie, entre autres. C'est une terre alchimiste. Il y a quelque chose à savoir sur lui. Retenez ceci. Rizal Jules est puissant. Dans leur putain de marécage, là. Sa tête. J'ai... de fidèles compagnons. Nous en reparlerons plus tard. Mais sachez que nous n'avons d'autre intérêt que celui de fendre tour. C'est parti, présent, mon ami. Allons sauver ces nobles. Oh oui. Oui, c'est parti. Oui, enfin, on va sauver les nobles, mais si on peut fouiller un petit peu avant. Rien d'intéressant. Ah oui, mais c'est pas... Enfin, c'est pas du tout ce que je pensais, en fait. Déjà, c'est gigantesque, et puis c'est pas une mine. En tout cas, c'est pas encore une... On n'est pas encore dans la mine. Je crois que la musique, il a pas compris qu'il fallait se lancer. Hop, tu fais la cage. Bouteille, je m'en fous. Ok, bon, on va aller libérer tout ce beau monde. J'avais prié de ne jamais me retrouver aux mains de ce tortionnaire lézard. Ils m'ont touché. Moi qui suis de la maison Tamri. Comment ont-ils osé? Attendu, hein. Ah, ça c'est... Ça s'y tendu. Merde. Attends, le jeu il a pas compris que... Je suis surpris que le baron... Il a pas compris que je voulais un peu de musique quand je combattais. Attends, je l'ai juste blessé, je l'ai pas désactivé. Hop. Non, c'est ce qu'il a. Il a pas envie, il a pas envie. Ok. Ah. Oh l'enculé. Ah, il est magnifique quand même. Ça m'a terrifié. Et mon son OBS était remis à 100, j'en ai plein le cul, ça vend. Merci Orage. Merci Orage pour le sub. Putain, ça m'a fait tellement peur. J'ai entendu Bruno Solo me déchirer les oreilles, j'aime pas ça. Merci en tout cas pour le sub, poteau, ça fait plaisir. Désolé pour ceux qui étaient tranquilles. Ah, ça réveille, hein. Non, mais ça réveille d'un coup, hein. Bon, eh ben, pas le droit à la musique. Moi aussi, j'ai eu peur. Ah, ben... Je veux bien le croire. Sache que c'était pas prévu. Enfin, c'était pas voulu, surtout. Merde. Non, mais... Enfin, oui, le poteau, ok.
Magnifique. Toi aussi, ils t'ont touché. Cet horrible argonien Rizal Jul. Il a dit qu'il allait me transformer en créature puissante. Mais quelle idée. Quoi, t'aimes pas la puissance? Ah, liberté chérie. Merci de m'avoir secouru. Pas de problème. C'est pas mon nom, hein, Liberté, mais Ok. Je te comprends. Ah, vous avez connu un destin funeste, messieurs. Ou mesdames, je... Vous ressemblez plus vraiment à grand chose, donc si tu veux, je peux pas trop savoir, mais... Je ne peux que deviner. Merde. J'adore... J'ai tellement de bonus, enfin de passifs et de malus. Merde, je suis pas ici. Qui s'active? Avec du lotus, petite patate, du miel, et ça c'est des secs. Tout le monde est libre normalement. Je savais que père enverrait quelqu'un me libérer. C'est l'ambassadeur d'Alikir. Je ne sais plus si je l'ai mentionné. Le baron Montclair et son général argonien Rizal Jul ont attaqué les nobles de Taïmon. C'est une honte. Oh, c'est une honte! Eh bien, on va laisser le faire. À mon avis, Rizal Jul se trouve derrière cette porte de pierre, derrière son portail. Mm-hmm. Nous devons l'arrêter avant qu'il amène de nouveaux renforts. Oh, let's go! On va prendre des portaux! J'aime bien les portails. Non mais enfin, t'as cru que t'allais m'arrêter en fait. Hop. Merci de m'avoir donné ton âme. Ah. Alors ça c'est très dommageable. Effusion niveau 24. Et lampée c'est quoi? Merde. Et les lampées c'est quoi? Si lampée pue sa mère. Ah non mais lampée c'est mieux. Ouais. Tu vois, là ça me fait chier, là. Ça me fait chier. Bah déjà, j'utilise de furtivité. Je vais mettre du drain de magie, hein. On va foutre du drain de magie. Putain, mais c'est vrai que j'ai masse... Oh là là, 55 potions de magie. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec tout ça? Je m'en servirai jamais. 165... Mec, je m'en servirai jamais. Non, bah ouais, mais attends, faut que je vide un peu mon inventaire, parce que... Je mange un poulet, hein. Tu... Fais un... Oh là. Hop, plus de vie. Potion. T'es un gamer, les potions de mana, c'est ton dos en quelque sorte. Moi, je vieillis pas, je level up, c'est ça. Trop du cul, va. Arrêtez les renforts, refermez le portail et confrontez-vous à... Ok. Oh, quel joli portail. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces idiots. Oh, du porc. Tuez-les tous. Oh, du... Oh, mais... Ouais, faut mon inventaire est plein. Faudrait que je récupère ça après. Oui. Oh, une sangre bête. Comment c'est cadeau? Ouais, mais voilà, ça me saoule, j'ai plus de place. Tiens, je vais le mettre là pour juste gagner une place. De toute façon, je vais pas m'en servir énormément. Il m'attaque pas, hein. On est d'accord, il m'attaque pas. Okay. Ah, mais c'est des sangres bêtes, c'est des beaux sangres bêtes encore. Hop. Magnifique. Ah mais d'accord, ok, ça pop. Faut m'aider le mage, hein, par contre, hein. Non, parce que t'es là avec moi mais tu ne fais rien là. Là tu te fais carry là par mon cul.
qui elle derrière? Immortelle de Montclair. On va voir si elles sont immortelles. Tiens, en parlant de magie, hop, petit coup. Non mais, mais par contre, il y a pas de musique, c'est un peu triste. Oh putain. Eh ben, envoyé en l'air, mais pas comme j'aime. Tiens. Alors, l'immortalité, c'est comment? Oh putain. Ah, il crache de la flemme. Tu craches du feu. Je vais garder mon R pour Gilles Blues là. Pour Joule. Oh. Quoi? Je peux sentir la magie. Le portail est proche. Nous devons le fermer avant d'être submergés par les soldats de mon père. Je pourrais continuer 50 ans encore. Je devrais être en mesure de fermer le portail. Il ne me faudra que quelques secondes. Voilà. C'est tout ? Je vais les empêcher d'entrer. Daimon ne risque plus rien. Je vais entamer des recherches sur le champ. D'accord. Et essayer de savoir où Rizaljul est parti. Pendant ce temps, vous devriez chercher le haut roi. Ok, attends, pars pas, faut qu'on parle. Le portail est fermé. Nous avons empêché Rizaljul d'expédier d'autres soldats en ville. Mais sa fuite est quand même frustrante. Ah bah, toujours ça. L'Argonia est aussi couard que sournois. Et tu sais où il est allé peut-être ? Non. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Super. Il faut le retrouver et le châtier au plus vite. Mais grâce à vos efforts, les plans de Montclair pour s'emparer de Taïmon ont échoué. J'en suis super heureux. Le haut roi Imeric et les autres nobles. Genre il est là ? Selon mes sources, il se trouvait dans les environs avant mon entrée dans les écuries. Je gage que la garde de Taïmon s'est emparée de la ville haute à l'heure qu'il est. Dorel, Tamrit et le haut roi doivent maintenant se trouver au château de Taïmon. Passez mon bon souvenir à Imeric. Oui, alors ça, tu vas te calmer. Putain, mais non, dommage, j'aime bien prendre le gibier. Ah, je peux faire des recherches. Ah, c'est bien ça. Ouais, attends, je vais virer ça. Et je vais prendre un peu de bouffe parce que ça c'est bien à travailler la bouffe. Faudra juste quelques légumes et puis ça sera bon. Magnifique. C'est quoi ça? C'est une bouteille de merde. Et bien on va aller voir au roi Emmerich. Et puis Russian ne devrait pas tarder. Mais plus personne en fait. C'est terrifiant. Quand c'est tout vide. Yes. Les mecs qui prennent le tram pour 50 mètres. Tout pareil. Attends, j'ai pas libéré toute la ville là quand même, si déjà. C'est mon PC qui fait ce problème. Eh bien. Non, ça va. Et qui était super chaud, mais non, ça va. Ah bah si, j'ai libéré toute la ville. J'allais justement vous suivre. J'ai pensé que vous pouviez être coincé dans une cage. Mais non. Les troupes de Montclair, une bande de pleurnichards. Quand on a foncé dans le tas, ils ont craqué. Ok, la tactique. Ils ont accepté leur capitulation. Dorel veut les exécuter, mais la comtesse souhaite en discuter avec le haut roi.
Elle a le cœur bien trop tendre. Eh oh! Le haut roi Aemric est arrivé. Il est au château de Taïmo. D'accord. Du baron et de la comtesse. Quant à moi, j'en viens. Ah, l'aventure! Tout sera fini. Rejoindre la guilde des guerriers, voire du pays. Un changement ne me ferait pas de mal. Non, mais pas de commentaires, pas de commentaires. Ah, bah c'est bien quand c'est repeuplé. Alors, attends, il y a la garde du lion, quoi. Super. Te faire OS en boucle si tu voles. Non, ça va, c'est tout vide. T'en fais rien. Tandis que vous étiez parti, nous avons libéré la ville haute. Ok. Nous avons délogé la ville. Ouais, ok, ouais. Bonjour au roi Aemric. Voici le sauveur de Taïmon, je présume. Et oui, sachez que lui-même. Le baron Dorel et la comtesse Tamrit ont été plus qu'élogieux en ce qui vous concerne. Je présume que vous avez pu fermer le portail qui permettait à Montclair de faire venir des renforts. C'est fort exact. Je ne suis pas surpris. Vérandis et moi, ça remonte. We go way back. Il rend souvent les gens nerveux, mais j'ai essayé de rassurer le baron Dorel et la comtesse Tamrit. Il est loyal envers les habitants de Fendretour. Avez-vous également vaincu ce Rizaljul ? Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Dans ce cas, j'imagine qu'il va falloir les capturer, lui et Montclair. J'aime bien son blaze. J'ai bien peur que Montclair n'aspire pas. T'appelleras-tu au roi Aemric ? Orage ? Grâce à vous. Nous avons repris pied à Taïmon. Et voilà, encore. Oh, j'en ai marre du loot, c'est pas comme ça, putain. Il est mieux que le mien ou pas ? Sécurité et nous devons veiller à le rester. Le horné, il va falloir que je le change. T'as pas honte de sentier obscur, du coup ? Non, l'ensemble du prophète. Ouais, mais je perds 1000. Là, faut juste que je le garde en fait. Et que je change le horné par un truc bien. Et il sera mieux que mon bouclier. Pour l'instant, il est moins bien. Je perds 1000 de santé. Du coup, ça, c'est chiant un peu. Donc, 400 balles, je prends par contre. Aemon est peut-être en sécurité, mais les rapports venant du reste. C'est mon nom exact. Heureux de vous connaître, mon roi. Tamrit et le baron Dorel vont prendre chacun un détachement de la garde de Taïmon pour aller voir de quoi. Quelle bande de trous du cul! Vous l'avez peut-être deviné, j'estime que vous êtes le mieux placé pour traquer Rizaljul et l'empêcher d'ouvrir d'autres portails à Taïmon. Vérandis vous a-t-il dit où ce maudit rat aurait pu se terrer? Absolument. Va falloir te calmer sur les propos par contre. Hein. Dans ce cas, je vous suggère de le rejoindre. Tel que je le connais, il a dû regagner le château Corbeguet afin d'étudier les indices qu'il aura trouvés. Ça me fera jamais peur, hein, Corbeguet. Il se dresse à l'ouest de la ville, près du village de Crétombre. Coucou Hoffman. T'arrives littéralement 5 minutes avant la fin. Hein. C'est beau de dire que tu devais rentrer à 17h, enculé. Hein. Je sais pas pourquoi je suis méchant, mais sauras-tu. Le château Corbeguet est aussi étrange que ça. Oh, intéressant ça. Sa famille est très ancienne et ils ont des traditions. Elles m'ont pété les couilles, les connasses, là. T'es allé aux putes ? C'est qu'il faut les payer, hein ! Non, mais au cas où. Quand même. Sans déconner. Gnignon, vu que vous voyez un médecin, gnignon. Ouais, bah, excuse-nous, hein. Bien sûr, je suis une mine d'informations inutiles. Et j'aime le partage. C'est parti. Je pense que je vais faire les dialogues. Et puis, Russiane, est-ce que tu es là ? M'entends-tu ? Réponds-moi si tu m'entends. Je connais le comte Corbeguet depuis ma plus tendre enfance. Mon père m'a même envoyé étudier avec lui pendant un moment. Par contre, il murmure l'enculé, alors du coup, on n'entend rien, ça me saoule. Ancienne de fond de retour. C'est un bel héritage qui sied à vous. Il est l'esprit de la chaîne. Fais un signe si tu m'entends. Eh bien, c'est un peu grâce à lui que je porte la couronne. Lorsque j'ai proposé de former l'alliance au tout début, nombre de gens ont désapprouvé. Vérandis
sans précipiter les choses, a soutenu mon plan. Il a réussi à influencer l'opinion publique à mon avantage. Il voulait sûrement mettre un terme au massacre et il avait confiance en moi pour rétablir la paix. Si je fais cesser le conflit, ma dette envers Vérandis sera effacée. D'accord, ouais, en faisant la quête, là, on change un petit peu... on change tellement de destinée, mec. Le temps qu'il faudra. Je savais que les... C'est assez ouf. Ne pourraient pas éternellement. C'est aussi que j'aime bien. Rien que dans la première ou deuxième... en Glen Umbry, je crois. Quand tu t'occupes du Weird, justement, tu sauves la putain de région tout entière, je crois. En sauvant un pauvre gigantesque arbre mythique. La dernière fois que j'ai envoyé une armée, enfin, l'arbre du Weird, du coup. C'était pour mettre fin à la guerre. C'est assez ouf. C'est ça que j'aime bien, moi. Genre, bien sûr que, ouais, bon, bah, du coup, il y a Molagbal à la fin, quoi, mais le fait que t'aies plein d'autres destinées en même temps, je trouve ça vraiment. C'est super agréable, en fait. Ce pour le bien de chaque partie. Ah, il a fait un signe. Il est vivant. Je finis le dialogue et puis je m'en vais. De la France, ainsi que de la Mégaforge. Je pars au Brésil, voilà. Le capitaine a installé un camp pour les réfugiés. Pas grand chose, à vrai dire. Ok. Ah, c'est la carte qui se met. La carte qui se met à jour, c'est vachement vénère quand même. Étant donné que vous vous y rendez pour voir Vérandis, pourriez-vous faire un détour à Crétombre? Eh ouais, je suis pas ton Uber Eats, moi, hein, frérot. J'ai un super loup, mais tranquille. Bon, vas-y. T'as 10k d'XP? Attends, fais voir vite fait quand même. Ouais. Ouais, non, mais je prends quand même. Je prends quand même, ouais, y'a pas de petit profit ici. Putain, j'ai gagné 1000 balles depuis le début, quel bonheur. Bon. J'ai fini toutes les régions sans jamais avoir fait la deuxième quête de l'histoire principale. Ouais, bah, c'est ce que je vais faire. Hein. Du coup, bah, moi, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser entre des mains extrêmement baladeuses. Oh, je rigole. Non, je vais vous laisser avec Ruru qui va faire son petit programme alléchant. Bah, du coup, non, parce que moi, je continue à jouer derrière, moi. Hop. Ouais, c'est Cuscus, mais c'est mon Cuscus. C'est pas le Cuscus du stream complet. Hein. Hop, allez. À tout de suite. Je mets pas de musique, Ruru. Tu reprends direct, je te fais confiance.